intercède pour nous. Marie 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 intercède pour nous. Nous voici, Marie, tous derrière toi, rangés comme une armée pour aller au combat. Nous voici, Marie, tous derrière toi, rangés comme une armée pour aller au combat. Nous voici, Marie, tous derrière toi, rangés comme une armée pour aller au combat. Nous voici, Marie, tous derrière toi, rangés comme une armée pour aller au combat. Mon frère, ma sœur, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quelle joie aujourd'hui pour moi de me tenir en votre présence, frères et sœurs, pour marquer ce début du mois du rosaire. Oui, le 1er octobre marque le premier jour du mois du rosaire. Alors, je voudrais partager avec vous ceci. Ce sont des écrits de Alain de la Roche, un dominicain breton du 15e siècle. Il avait une dévotion mariale. Et à travers ces écrits, nous avons les promesses de notre Sainte Mère du Ciel. Il dit ceci: à tous ceux qui réciteront dévotement mon rosaire, je promets ma protection toute spéciale et de très grande grâce. La dévotion du Très-Saint Rosaire est un grand signe de prédestination. Quiconque récitera pieusement le rosaire et persévérera dans cette dévotion verra ses prières exaucées. Ceux qui propageront mon rosaire seront secourus par moi dans tous leurs maux. Persévère dans mon rosaire et je subviendrai à tes besoins. Celui qui récite pieusement le rosaire, en méditant les mystères, se convertira s'il est pécheur. Ceux qui récitent le rosaire trouveront pendant leur vie et à leur mort réconfort et lumière. Celui qui se recommande à moi par le rosaire ne périra pas. À ceux qui récitent mon rosaire, je promets ma protection spéciale. Prêche le rosaire. C'est une arme très puissante contre l'enfer et un bouclier impénétrable contre les traits de l'ennemi. Quiconque récitera dévotement le rosaire croîtra en grâce s'il est juste et deviendra digne de la vie éternelle. Je promets des grâces de choix aux dévots de mon rosaire. Je veux que ceux qui chantent mes louanges par le rosaire aient lumière, liberté et plénitude de grâce. Les vrais dévots du rosaire ne mourront pas sans sacrement. Je suis spécialement la mère des enfants du rosaire qui sont dans le purgatoire. Tous les jours, j'en délivre un grand nombre. Les vrais enfants de mon rosaire jouiront d'une grande gloire dans le ciel. Mes chers frères et sœurs, je pense que ce que nous avons entendu tout de suite est suffisant pour que nous soyons attachés à notre rosaire. Si tu n'as pas commencé à faire le rosaire, alors mets-toi au rosaire. Tu n'en tireras que des grâces et des bénédictions. Nous voici, Marie, tous derrière toi, rangés comme une armée pour aller au combat. Rangée comme une armée pour aller au combat. Marie intercède pour nous. Marie intercède.
intercède pour nous. Oh, Marie intercède pour nous. Marie intercède pour nous. Oh, maman intercède pour nous. Intercède pour nous, en tout temps, intercède pour nous. Marie intercède pour nous, nous avons confiance en toi, intercède pour nous. Tes enfants ont besoin de toi. Le monde a besoin de toi, Marie, intercède pour nous. Intercède pour nous, maman, intercède pour nous. Intercède pour nous. Intercède pour nous, maman, intercède pour nous, intercède pour nous. Toi, notre très chère maman, toi, notre très chère mère du ciel, la reine des cieux, toi qui ne tournes jamais le dos à un enfant qui crie au secours, en ce mois, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons vivre avec toi ce mois, pour nos familles, pour le monde, pour nos dirigeants, pour nos frères et sœurs qui ont tourné le dos à l'Église, pour ceux qui souffrent, maman, pour les âmes du purgatoire, pour toutes ces personnes qui se confient à nos humbles prières, pour toutes les intentions que nous portons pour nous-mêmes ou pour d'autres personnes. Maman, nous te confions tout en ce mois et nous voulons être en ta présence. Toi qui sais défaire les nœuds de la vie de tes enfants, intercède auprès de ton Fils bien-aimé afin que les grâces et bénédictions coulent en abondance dans nos vies. Merci Maman Marie pour ce que tu es pour nous. Merci pour les grâces et bénédictions que tu nous obtiens tous les jours. Toi la Maman qui n'abandonne aucun de ses enfants. Merci Maman Marie. Frères et sœurs, que ce mois soit couronné de grâce et bénédiction. Pour la gloire de Dieu, le salut de nos âmes et pour notre bonheur. Nous avons ainsi prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.